sol, ça nous arrive souvent. Lutte un peu dégueulasse. Au sol, bam, bam. On prend la tête du gars et on se retrouve là. Ça vous arrive quelquefois? Oui. Ok. Donc là, dans un premier temps, je voudrais renverser le partenaire. Haut du corps. Ok. J'ai un bracket. J'insère mon bracket. Je viens prendre des 10 doigts. Et je ramène sur l'intérieur. Ok. C'est pas agréable. Non. Ouais, okay. D'ici, vous pensez, vous maintenez, vous pouvez partir sur le bravo. Garce. Ok. Donc, devant, front headlock. Je veux emmener mon partenaire au sol. On va d'abord travailler tête. Après, on va travailler hanche, ce qu'on vient de voir juste avant. Et après, on travaillera avec pied. Donc ça, on aura trois possibilités. Je suis là, donc over, il sort sur l'extérieur, je viens prendre en 10 doigts. Vous avez vu, je passe, moi je suis en bracket, je continue à maintenir sous le bras. Là, toujours même chose, j'insère, je cherche quoi? La diagonale, hop, et je ramène. Vous énervez pas pour le soumettre, déjà maintenez là, si le gars il veut bouger. Après, prenez le temps pour ajuster, revenir sur sa tête. Ça va? Ça va. Quand tu essaies de rentrer sa tête à l'intérieur de lui. Ouais. Et du sol aussi. Mais... En gros, ton objectif, c'est pas de lui mettre au sol, c'est de rentrer sa tête. C'est de lui éclater les cervicales. Ouais, c'est ça. Ok. Mais du coup, je pars plutôt. En gros, mon objectif, c'est plus de lui rentrer sa tête plutôt que déjà de le mettre au sol. Exactement. Mon but, c'est d'abord lui contraindre. Et après, la contrainte, elle mène. Ça va? Ça va. Et après, vous prenez tous rendez-vous chez Vincent. C'est ça. Ah non, il a repris ses vêtements. Ça va, Paul. Ça va te faire du bien, tu vas voir. Je vous ai dit, Luta, faut que vous ayez un coup. Si vous n'avez pas de coup, faites du jus. Bref, on y va. Donc on est là, ça c'est le 1. Le 2, ça marche quand on a décidé d'aller sur le côté, pour travailler bien sûr. On est là, on reprend l'élément de tout à l'heure. Si je suis débutant, je prends ici. Si j'ai plus l'habitude, je pars. Diagonale, même chose. Je ramène sur la diagonale. Et je te prends un triangle de bras. Ok. Et là, je n'arrive pas à le faire passer. Je décide de reprendre ici. Attention, on ne reste pas 10 heures. Pourquoi? Parce que lui, il peut aller faire de la merde. on me tourne le cou depuis tout à l'heure. Que je fasse. Si prend par ici, prend par là, le risque que vous avez, oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. J'avais complètement oublié. Ouais. J'ai remarqué. D'accord. Donc souvent on dit, je ne sais pas trop. Votre main ici. Après ça se discute, hein. Et notamment quand il y a des frappes. Mmh. Quand il y a des frappes, vous faites ça. Mmh. Je vous assure qu'il ne pense pas à ça. Non. Ok. Là, diagonale, insertion, triangle de bras. Ok. Et le dernier. On est ici. Attends, j'étais là, pardon, ça n'a pas marché, je pense qu'ici ça marche pas, il est trop solide. Insertion, ok, il revient. D'accord, contrôle. Donc d'ici, vous pouvez pousser par là, vous pouvez aller chercher la deuxième. Vous pouvez revenir, et revenir. Ok. Bien serre, je maintiens. Si vous sentez qu'il monte, hein, n'hésitez pas. Insertion, revenir. Ici. Ok. Et là, vous êtes plutôt pas mal pour prendre le monde. Oh putain, ça s'appuie là. Ok. Allez.